Vielleicht mal schon eine Fokusstrategie. Wir haben den 16. Wir haben den Mittwoch, den 16. Februar. 2022. Aufsätze und Publikationen aus dem Bundesgericht. Proposition de, das mal ist ein französischer Text, Beitrag, Aufsatz, Publikation. Namens Proposition de modification de l'accès au tribunal fédéral. Gilbert Colli. Zwar in Justice. Das ist Richter, das ist wahrscheinlich Richterzeitung. Justitia. Januar oder? Wenn das nur jedes Quartal kommt, dann ist das das erste Quartal. Hier steht: Une révision de la loi sur le tribunal fédéral est en préparation. Son but principal doit être de consolider durablement le tribunal fédéral dans son rôle constitutionnel d'autorité judiciaire suprême de la Confédération. Cela implique des modifications dans deux directions. D'une part, les compétences du tribunal fédéral doivent être élargies à toutes les matières justiciables en tant que cour suprême. Il doit être seul juge de dernier ressort. D'autre part, ces compétences doivent être limitées dans une mesure adéquate aux cas objectivement importants. La cour plénière du tribunal fédéral a arrêté diverses propositions allant dans ce sens. Table de matière. Da geht's, ist das aufteilt in drei. C'est partagé ou divisé en trois chapitres. 1. L'accès actuel au tribunal fédéral. Point 1. La réglementation introduite par la LTF au 1er janvier 2007. LTF, c'est la loi du tribunal fédéral. Alors, la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. À l'instar de précédentes réformes de l'OEG, la LTF était censée à l'origine décharger le tribunal fédéral, y compris ses nouvelles cours de droit social qui reprenaient le contentieux du tribunal fédéral des assurances, TFA. Supprimée en tant qu'entité indépendante,
Le Conseil fédéral relevait que le tribunal fédéral était surchargé et ne pouvait pas assumer correctement ses tâches de Cour suprême. Il estimait en conséquence qu'il fallait impérativement le décharger si l'on voulait qu'il garde sa capacité de fonctionnement. Dans cette perspective, la commission d'experts avait même proposé d'introduire une procédure générale d'examen préalable. L'idée a toutefois été abandonnée. Ensuite, de l'adoption de l'article 191, Constitution fédérale de la Confédération suisse, CST, disposition constitutionnelle qui garantit l'accès au tribunal fédéral et permet d'exclure cet accès uniquement pour des domaines déterminés. Par la suite, plus les travaux législatifs avançaient, moins le but de décharger le tribunal fédéral était au centre des préoccupations. Les abréviations, c'est LTF, la loi sur le tribunal fédéral, sur le tribunal fédéral. Après, c'est réforme de l'OG. OG, TFA. Les assurances, hein? Und OG, ça c'est. Ah, das steht da. La loi fédérale, hein, a remplacé la loi fédérale d'organisation judiciaire. Loi fédérale. D'organisation judiciaire. CST. Constitution. Disposition constitutionnelle qui garantit l'accès au tribunal fédéral et permet d'exclure cet accès uniquement pour des domaines déterminés. Par la suite, plus les travaux législatifs avançaient, moins le but de décharger le tribunal fédéral était au centre des préoccupations. La principale nouveauté introduite par la LTF a été la suppression des voies de recours de l'ancien droit et leur remplacement par un recours unifié dans chaque domaine juridique. Cette mesure n'a cependant pas apporté de décharge significative. Pour l'essentiel, le recours unifié permet aux recourants de déposer un seul acte incluant, d'une part, les griefs relevant de l'ancien recours en réforme ou de l'ancien pourvoi en nullité et, d'autre part, les griefs relevant de l'ancien recours de droit public. C'est là tout en maintenant des exigences de motivation différenciées pour les griefs constitutionnels et les autres griefs. Hein, entre parenthèses, CF, article 42. Alinéa 2 et article 106. Alinéa 2, LTF. Parenthèse fermée. Un tel cumul existait déjà dans l'ancien recours de droit administratif. Il en a résulté une diminution du nombre de recours dans les procédures civiles et pénales. Mais une diminution qui est purement formelle, en effet, si le recourant dépose un seul acte de recours englobant tous ses griefs,
au lieu de les présenter dans des actes, dans deux actes séparés comme précédemment. La charge de travail du tribunal fédéral pour traiter l'ensemble des griefs n'en est bien évidemment pas modifiée de manière significative. Il s'y ajoute que dans le cadre de la procédure parlementaire, les chambres ont introduit le recours constitutionnel subsidiaire, non prévu dans le projet du Conseil fédéral. Entre parenthèses, article 113 SSLTF, parenthèse fermée. Probablement à la suite des réserves émises par d'aucuns en raison de l'absence de tout recours dans les causes qui n'atteignent pas la valeur litigieuse ouvrant la voie du recours unifié et ne posent pas de questions juridiques de principe. Entre parenthèses, CF, articles 74 et 85, LTF, parenthèse fermée. Ce recours est ouvert contre toutes les décisions rendues par des autorités cantonales de dernière instance, lorsque le recours unifié est exclu. La décharge découlant de certaines limitations du recours unifié, notamment par l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, y compris pour les griefs d'ordre constitutionnel, a ainsi été annihilée, indépendamment de l'aspect de la charge supplémentaire ainsi provoquée. L'apport de ce recours constitutionnel subsidiaire est discutable. Néanmoins, la LTF a sans doute conduit à une certaine décharge du tribunal fédéral. On relevera notamment le développement des autorités judiciaires précédentes, tant cantonales que fédérales, et certains transferts de compétences à ces dernières. La décharge la plus importante a découlé de la suppression du libre examen des faits en matière d'assurance maladie, vieillesse et invalidité. Entre parenthèses, article 97, alinéa 2 et article 105, alinéa 3, LTF. A contrario, parenthèse fermée. Elle a conduit à une notable diminution du nombre de recours dans ces matières et a en outre simplifié le traitement des recours déposés. La nouvelle compétence du juge unique pour statuer sur des recours irrécevables, entre parenthèses, article 108 LTF, parenthèse fermée, a également conduit à une décharge non négligeable. Mais malgré tout, le nombre de recours déposés actuellement devant le tribunal fédéral est plus élevé qu'avant l'introduction de la LTF. Cette loi n'a pas apporté la décharge souhaitée et nécessaire. Cela étant, la LTF a introduit une nouveauté fondamentale en matière d'accès à la Cour suprême dans les causes d'entraide pénale internationale. Sous l'ancien droit, les décisions des autorités fédérales de première instance et celles des autorités cantonales de dernière instance en matière d'entraide pénale internationale étaient susceptibles de recours de droit administratif au tribunal fédéral. Entre parenthèses, ancien article 25, alinéa 1, loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP. Parenthèse fermée.
Depuis le 1er janvier 2007, les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du tribunal pénal fédéral, entre parenthèses TPF, article 25, alinéa 1 et IMP. Le Conseil fédéral prévoyait d'exclure en contrepartie tout recours au tribunal fédéral contre la décision rendue par la juridiction fédérale de première instance, au motif que l'unité de la jurisprudence n'était pas en danger. Il faisait fi de l'avis du tribunal fédéral qui estimait que ces décisions devaient pouvoir lui être déférées lorsqu'elles soulevaient une question juridique de principe. Le Conseil national UTZ a repris l'avis du tribunal fédéral, a proposé d'ouvrir la voie au tribunal fédéral si la cause concernait une extradition ou si elle posait une question juridique de principe. Le Conseil fédéral a alors adapté son projet et proposé l'actuel article 84 LTF qui a été adopté sans autre discussion. L'article 84 LTF ouvre la voie de recours en matière de droit public contre les décisions en matière d'entraide pénale rendues par le TPF, mais uniquement si elles concernent un cas particulièrement important. Par là, il faut entendre d'une part les cas qui soulèvent une question juridique de principe et d'autre part les cas qui sont pour d'autres motifs particulièrement importantes. Dans une matière où toutes les décisions étaient antérieurement susceptibles de recours au tribunal fédéral, la LTF a limité la possibilité de recours au seul cas particulièrement important. Dans les autres cas de moindre importance, le TPF est la dernière instance. Cette limitation des causes susceptibles d'être portées devant le tribunal fédéral a conduit à une importante réduction du nombre de recours déposés à Lausanne en matière d'entraide judiciaire. En outre, seule une minorité de recours introduites satisfaites aux exigences du cas particulièrement importante et doit être tranchée au fond. Une règle similaire mais plus restrictive a été adoptée pour les décisions administratives en matière de marché public avec une valeur litigieuse supérieure à un montant déterminé. Entre parenthèses, article 83, lettre F LTE. Ainsi que pour les décisions civiles et administratives portant sur des prétentions pécuniaires avec une valeur litigieuse inférieure à 30 000 respectivement 15 000 francs. Entre parenthèses, article 74, alinéa 2, lettre A, et article 85, alinéa 2, LTF, parenthèse fermée. La LTF a ouvert la voie du recours unifié là où le recours de droit administratif, respectivement le recours en réforme, était précédemment fermé, et où seul le recours de droit public était possible contre les décisions cantonales. Cette ouverture vaut toutefois uniquement s'il se pose une question juridique de principe. Mais à défaut, il peut être interjeté un recours constitutionnel subsidiaire contre les décisions cantonales. En ces matières, la nouvelle réglementation n'a dès lors guère eu d'impact sur le nombre de recours. Après, ça continue avec 1.2, modification ultérieure.